première chose sur la laïcité, c'est que c'est comme la démocratie. On peut l'appréhender sous une forme idéologique et sous une forme de praxis, de fonctionnement. Nous sommes pour une laïcité de fonctionnement, qui finalement est assez, comment dire, influencée par la nature originelle, en tout cas catholique, de la France. Je veux dire, rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu, la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est quelque chose qu'on connaît, nous les femmes. Enfin, catholiques en tout cas connaissent ça depuis très longtemps. Donc finalement, le principe laïque qui fait en sorte que les gens puissent avoir leur liberté individuelle, leur liberté de croyance, et que ça n'ait pas d'incidence dans la vie publique, ça c'est quelque chose qui n'est finalement pas si éloigné que ça des valeurs catholiques que nous avons depuis des siècles et des siècles. Maintenant, nous sommes attachés à ce principe-là, parce qu'effectivement, nous avons une nouvelle religion, qui est l'islam, et qui, elle, ne connaît pas la séparation entre le public et le privé, justement. Il n'a pas ce principe très catholique, justement, du rapport individuel à Dieu et de la société temporelle, de historique et de pouvoir politique. L'islam ne connaît pas ça. Donc, la laïcité, du coup, se révèle être notre arme contre des attaques, justement, dans la vie publique et dans la vie aspects religieux qui en plus n'appartiennent pas à l'essence et à l'histoire française. Donc oui, nous nous servons ça effectivement pour éviter que l'islam puisse un peu trop empiéter sur notre vie publique, notre vie en commun, notre vie politique, mais nous ne nous arrêtons pas à cela. C'est-à-dire qu'effectivement, pour lutter contre l'islamisme, on le voit, ce qui fait aujourd'hui que des gens dans les banlieues se réislamisent, que certains même d'ailleurs d'origine catholique ou athée en tout cas, deviennent des islamistes zélés. Pourquoi? Ils deviennent comme ça parce qu'ils n'ont plus aucune valeur, plus aucune spiritualité. La société aujourd'hui libérale, justement, c'est-à-dire qui est axiologiquement neutre, qui ne met plus rien en sacré, il n'y a plus aucun sacré aujourd'hui, eh bien, fait en sorte que la nature ayant horreur du vide, eh bien, les gens qui se sentent vides, qui sentent une vacuité immense en leur sein, se rattachent à des choses qui, elles, apportent du sacré et apportent certaines valeurs. En l'occurrence, aujourd'hui, la religion qui est la plus offensive, qui la force, met des grandes choses à nouveau dans le domaine du sacré, c'est l'islam. Donc on pourra lutter contre cela effectivement en défendant le principe de laïcité, au niveau de la praxis, au niveau du fonctionnement de notre société, mais il est évident, et ça c'est pas politique, c'est spirituel, c'est philosophique, c'est religieux, il est évident que pour lutter contre ce grand vide qui fait aujourd'hui la puissance de l'islam, et qui fait la puissance d'ailleurs des sectes aussi, de tout ce qui justement ramène un petit sacré dans l'esprit des gens qui en ont besoin, eh bien, pour lutter efficacement contre cela, il va falloir renouer avec une certaine spiritualité qui nous appartient à nous. Il va falloir redonner des valeurs, des principes et un sens du sacré aux Français et aux Européens d'une manière générale, parce que sans cela, on aura beau agiter la laïcité comme une défense justement d'une certaine liberté en France, eh bien, ça ne suffira pas pour lutter contre à la fois la vie. Islam, des sectes, ce genre de choses. Donc il va falloir, je pense, c'est sûr, renouer avec un esprit qui ne soit pas uniquement, en tout cas, matérialiste. Et c'est pour cela, et là on en revient à notre premier sujet qui, je pense, sera le fil conducteur de tout cet entretien, qui est l'essai d'une proposition d'une nouvelle société face à ce projet libéral qui nous bouffe et qui nous mine depuis des années. Le mal est déjà fait, hein, disponible. Oui. Franchement, ils ne peuvent rien gagner de plus. Là. On n'a plus rien à perdre. Ils ont sacrément fait le boulot au début du siècle, hein, au début du siècle dernier. Franchement, la catholicité, le catholicisme en France a quasiment tout perdu. Hein. Donc, faut arrêter d'avoir peur maintenant et de chercher à défendre les derniers trucs qui restent. Il s'agit pour les catholiques d'attaquer maintenant, hein, d'essayer de reprendre un petit peu du poids dans la société française. Franchement, avoir peur de la laïcité aujourd'hui en tant que catholique, ça me paraît un peu ridicule, parce que franchement, ils ont déjà été battus au plat de couture il y a un siècle. Quoi. Ils n'ont plus rien à défendre aujourd'hui. Donc non, la laïcité aujourd'hui ne s'oppose pas au catholicisme en France, parce qu'en réalité, elle a déjà triomphé. Marine Le Pen fait de la politique. On fait de la politique dans
Nous, on parle de l'aspect fonctionnel et de l'aspect pratique. L'aspect idéologique, ça ne nous appartient pas. Hein. On n'est pas des totalitaires, on n'est pas des idéologues. On essaye de gérer la vie de la cité. Donc on cherche qu'est-ce qui peut être utile effectivement pour le bon fonctionnement de la vie en cité et de la vie publique. Donc nous, on s'arrête sur cette laïcité-là qui est très utile. Ça nous semble une valeur importante, effectivement, pour que les gens puissent vivre tranquillement et en liberté en France. Maintenant, la question de la lutte idéologique, elle ne nous appartient pas. Ça, moi, à titre personnel, je peux vous dire ce que je pense, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est à l'Église catholique, c'est à peut-être même d'autres instances qui sont capables d'apporter du sacré. Et ça, peut-être qu'on a un rôle à jouer là-dessus, je vais vous le dire après, face au laïcard, face à l'islam. Enfin, ça, c'est une lutte culturelle. J'imagine qu'au rouge et le noir, c'est votre tropisme à vous, c'est votre combat, c'est le combat que vous menez, c'est très bien. Nous, ce n'est pas notre domaine de compétence. Là où on peut avoir une certaine incidence, on peut avoir un certain intérêt, c'est que là on peut jouer parce que c'était quelque chose de temporel, c'est que quelque chose qui est sacré, c'est la patrie. Et ça peut arriver à innerver à nouveau le cœur des Français de quelque chose de sacré, d'essentiel pour eux, quelque chose qu'on ne touche qu'avec des gants blancs, voilà, qu'on ne jette pas comme ça dans la boue comme aujourd'hui. Dans la société libérale, fait en sorte qu'on méprise tout, on nivelle tout, tout vaut tout, rien n'a d'importance et tout. Voilà, voilà le projet libéral. Nous, on n'a pas notre mot à dire, en tout cas très peu, sur l'aspect spirituel, l'aspect religieux, c'est normal. Hein. Mais en revanche, on peut essayer de dire, et c'est ce que l'on fait, et c'est ce que le Front National fait très bien depuis 30 ans, de dire qu'il y a quand même quelque chose de sacré que nous, on défend, qui s'appelle la patrie. Et ça, je vais vous dire, même quelqu'un d'athée, peut-être agnostique, voilà, ou même athée, s'il a la patrie au cœur, et que du coup, il a les valeurs qui en découlent, en général, quelqu'un comme ça, il est beaucoup moins prompt à se faire avoir par une autre religion qui n'est pas la sienne à l'origine, ou des sectes, ou ce genre de choses. Il a des valeurs, parce que le patriotisme induit un corpus de valeurs et de principes. Donc ça, nous, on a notre petit rôle à jouer là-dedans. Mais pas sur l'aspect spirituel, ça c'est à vous, le culturel, c'est à vous de le faire. Et c'est surtout à l'Église. Premièrement, si vous avez peur de la religion de Payon, c'est que vous êtes franchement des flippards, parce que ne vous inquiétez pas, il n'arrivera jamais à imposer une religion, ce type-là. La religion républicaine, ça ne marche pas, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de valeur transcendantale à ce point forte qu'elle peut emporter le cœur des hommes, ça veut dire que c'est incomparable par rapport au catholicisme ou aux autres religions. Donc je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas à avoir peur de la religion, hein, pas du tout. Deuxièmement, je reviens à ce que je vous ai dit. C'est que nous n'avons pas, nous, au Front National, à favoriser plus particulièrement une religion plutôt qu'une autre. Maintenant, dans notre projet politique, nous sommes inspirés. Nous sommes inspirés par une spiritualité, par une philosophie, c'est évident, comme tout un chacun. Et il est évident pour nous que nous défendons, lorsqu'on défend la France, ses traditions et son histoire, on défend particulièrement, oui, le clocher au milieu d'un village. C'est évident, parce que ce clocher appartient au village, donc appartient à la France, depuis la nuit des temps. On va défendre aussi un projet de défense de la vie, par exemple, qui est directement inspiré, effectivement, de nos valeurs chrétiennes, qu'on soit athée ou non, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, on défend la France sous toutes ses facettes. On défend la patrie française, on défend la nation française, on défend son histoire, on défend ses provinces, donc on défend également fond de sa spiritualité qui est catholique. Mais maintenant, dans la pratique, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on va réassocier l'autel et le trône. Ça, c'est pas possible pour nous. Ça, il faudra que vous attendiez votre roi, si vous voulez. Mais bon, il ne se présente pas pour tout de suite. Donc, on défend la culture française. Donc, forcément, vu qu'on la défend, bien, vous savez très bien, aussi bien que moi, voire mieux que moi, dans la culture française, il y a une place prépondérante de nos racines chrétiennes et catholiques. Mais on ne peut pas aller plus loin que cela, c'est normal.